bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 228 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Capcom vs SNK Pro 2000. Alors le titre en entier, vous venez de le voir passer, je l'ai pas retenu par cœur, même s'il faudrait, on va le revoir passer de toute façon. Donc voilà, data j'en ai pas, on va démarrer. Donc c'est un jeu de combat toujours, donc c'est un VS, donc on est plus sur du Marvel comme dans les anciens épisodes. Et bon voilà, c'est un jeu de combat, on va le tester, on va voir un peu ce qu'il donne par rapport aux autres. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait des vidéos. Alors la dernière vidéo que je viens de publier hier, enfin par rapport à la date aujourd'hui, hier, en fait a été tournée il y a 2 mois. Et j'avais un peu la flemme en fait. Quand vous n'avez pas le goût de faire le boulot, ben du coup en fait vous faites pas parce que vous préférez faire de la qualité. C'est ce que je fais. Et donc là, bon, ouais, j'enregistre cet épisode pour continuer un peu ma série. Donc, everybody, nobody. Alors, it's true. Donc, c'est bien, c'est en anglais, toujours un jeu de combat, mais on s'en fout complètement. Donc, c'est un peu les annonces. Ouais. Donc, pas mal. Est-ce que je vous les laisse? Alors, voilà, Capcom et SNK, je vous laisse le son de ça. Capcom versus SNK. Bon voilà, on en a raté hein, une partie. Capcom vs SNK. Donc j'ai compris. Donc Millennium Fight 2000 Pro. Voilà, bon, le titre en entier. Vite fait, je sais pas si je vais le mettre sur le titre de la vidéo sur YouTube, tellement c'est long. Enfin, je verrai. On va peut-être raccourcir. Donc on prend le mode arcade, comme tous les jeux de combat que j'ai testé et que je testerai. Parce qu'il y en aura d'autres, sûrement. On va peut-être changer un petit peu après celui-là, parce que bon, ça fait quand même le 3e d'affilée. Je pense que vous allez peut-être en avoir marre. Donc, Capcom vs SNK, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je choisis donc Capcom ou SNK, donc on va choisir Capcom. Voilà. Donc ça met un peu du temps. Alors, là j'ai mes personnages. C'est un peu la merde. Il y en a 50 milliards, alors bon, bah, je vais en prendre un peu... un peu au pif ou pifomètre. Voilà. Puis il est bien Ken et Chun-Li, Jun. Enfin, je regarde celui qui m'intéresse un peu. Ouais, je le connais absolument pas, je vous dis, c'est pas mon univers du tout. J'y joue, bah, justement, je découvre en même temps ces personnages un peu atypiques. Donc, moi, c'était plutôt Marvel. Franchement, Marvel, bon, bah, on les connaît tous. Ceux-là, c'est vrai qu'un peu moins, voire faut être dans l'univers. Donc, le BS. C'est parti, donc mes deux persos à gauche contre les deux persos à droite. D'ailleurs, il y en a un, c'est le même que le mien. Et en fait, les deux, ça a l'air d'être les mêmes, en fait. Je crois bien que je vais jouer contre moi-même. Non, ou alors... alors, en fait, on dirait le mec blond, on dirait moi avec une casquette. Mais le mec que je vois, il est pas du tout blond. Bon, enfin bref, c'est pas grave. On continue le combat qui vient de commencer. Donc, j'essaye un peu de m'y retrouver. Je suis donc le mec blond. Hein. Donc, l'autre, en fait, qu'on voit sur... le petit mec qui avait un bandeau là, en fait il a pas du tout la même couleur de cheveux en jeu que ce qu'il a sur sa vignette. Donc voilà, donc j'essaye de c'est direct, c'est un peu j'essaye de me défendre. Voilà, donc là je vais le mettre KO. C'est plutôt facile pour le début, faut un peu se concentrer parce que bon là pour l'instant j'ai toujours pas de manette, donc je vais pas tarder à faire l'acquisition ou essayer de retrouver. Je sais que j'en avais une et je ne la retrouve pas, enfin je la cherche pas non plus. C'est vrai que ça commence à m'emmerder et j'ai un peu la flemme, mais il faut que je la retrouve. Donc voilà, alors là il a changé de perso, donc c'est qu'une casquette, on dirait moi qu'une casquette, pas habillé pareil. Alors non, je sais pas, c'est parce que les graphismes sont très simples, c'est pour ça qu'aussi on se perd facilement. Donc là, normalement j'ai gagné mon premier combat, je vais essayer de gagner mon deuxième. Même si je vois pas trop, c'est un peu différent, interface, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Le plus en principal, c'est qu'on s'éclate, c'est un jeu de combat, on tape, on gagne, ça, c'est mieux de gagner aussi au passage. Et voilà, donc là donc j'ai gagné. Ouais, normalement. Oh là, j'ai eu un petit lag graphique. Oui, le score. L'ordre. Je crois que je viens de choisir l'ordre avec lequel je vais jouer. Par contre, là, donc, je suis face à 3 personnes. Donc, c'est pas très équitable. Hein. Donc, je suis 2 contre 3.
D'ailleurs, la tournure de phrase est spéciale. Hein. Je suis deux, non, non je sais que je suis schizophrène, mais quand même. Donc c'est parti, on roule un fight. Donc on est contre la petite dame là, et donc ces trois acolytes, on va essayer de leur démonter la gueule. Je sais pas s'il faudra tous leur démonter la tronche ou pas. Ils sont quand même trois et qu'on est que deux. Allez. Alors pareil, il y a une histoire de combo. Que je ne comprends pas trop, mais on s'en tape un petit peu vu que je connais pas le jeu en fait, donc je vais me contenter de taper avec des coups normaux, voilà. Même si je suis toujours au clavier, c'est toujours un peu compliqué, mais pour l'instant, je m'en sors. Donc elle, je l'ai démontée, donc elle a trois potes, mais c'est pas grave, ça change rien. Qu'est-ce qui se passe donc? Ouais. C'est reparti, donc round 2. Donc je tombe cette fois-ci sur... Ah d'accord, donc en fait ils sont chacun leur tour. En fait je viens juste de comprendre comment ça fonctionnait. il sera temps quand même. Donc là je vais démonter donc le mec qui a des grands bras. Il me semble. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je suis perdu, franchement là je suis perdu entre les personnages. On était sur du Capcom. Ah mais oui d'accord, donc ça c'est les personnages de Capcom. Donc c'est Dashlim ou je sais plus comment il s'appelle exactement, j'avais oublié. Donc il y a des grands bras, mais bon je viens de le démonter, il m'a à peine rien enlevé, donc c'est pas grave, on va passer au petit blond. Let's go. Non c'est SNK. Enfin moi je comprends pas trop, hein, entre Capcom et SNK et voilà. Donc parce qu'on n'a pas joué contre SNK il me semble au dernier jeu. Non je suis perdu avec tous ces persos, c'est pas grave, le but c'est de s'amuser. pour le coup je suis vraiment nul. Pas de trop cette époque, bon ça me permet un peu de découvrir quand même. Bon je m'aperçois quand même qu'ils sont vraiment bidons, on doit être vraiment en mode easy parce que je les démonte assez facilement. D'ailleurs le son, je sais pas si vous avez entendu, il a fait... Enfin, ça c'est les joies d'un émulateur, peut-être que ça vient du jeu mais ça m'étonnerait. Je pense que ça vient surtout de l'émulateur avec lequel je joue. Évidemment que je ne joue pas sur une PlayStation 1, déjà je l'ai pas. Et puis j'ai pas d'enregistreur derrière donc... Au final, ça ne servirait à rien, donc autant jouer sur émulateur. Bon, on a des petits bugs de temps en temps, que ce soit graphique ou sonore. Alors, soit c'est vraiment des bugs récurrents, et donc bon, bah, il faut que je change d'émulateur, c'est vraiment rare. J'avais essayé quelques jeux PlayStation 2 aussi, là ça pose problème. PlayStation 2 c'est beaucoup plus puissant, et même sur un bon PC c'est compliqué. Donc, on est sur de la PlayStation 1 essentiellement. Je vais peut-être retourner dans pas longtemps au jeu PC un petit peu, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient sortis. J'ai pris beaucoup de retard à cause de tout ce... De ces 2 mois de vacances où j'ai rien fait du tout, il est sorti plein de jeux. On va pas tous les citer mais il y en a un paquet. Donc on va sûrement se refaire ça. Bon je vous dis quand même que j'ai déjà prévu là jusqu'au 240 facilement en jeu PlayStation. Dont des jeux aussi Nintendo 64. Donc après je vais revoir pour reprendre des jeux plutôt PC comme je faisais sur mes 200 premières vidéos. Et je me suis un peu éloigné du truc, c'est vrai qu'avec le temps. Bon je parle en même temps parce que bon les combats c'est un peu toujours la même chose. On est d'accord que on va pas chercher loin. Bon je vous ai pas laissé le gameplay cette fois-ci. Bon, en même temps c'est le troisième jeu de combat qu'on fait d'affilée. Je me suis dit que pour commencer à connaître un peu l'ambiance. On est toujours un petit fond, une ambiance sonore. On demande des mecs, c'est beau, c'est... Ouais, bon. Il y a des coups spéciaux, il y a des stratégies à avoir, mais pas au niveau auquel je joue, je pense pas. Surtout contre la console, quoi. Elle est vraiment à chier. Enfin, ça dépend. Parce que là, quand même, il m'a enlevé la moitié de ma vie, il faut que je démonte la femme. De toute façon, je m'en fous, j'ai mon deuxième gars, au pire. Et j'aime bien ce mec-là, le mec avec un petit bandeau, là, j'aime bien. On dirait un ninja avec son petit bandeau, là, mais... mais c'est bien. Donc je ne connais pas, comme je disais, les personnes contre lesquelles je joue, je les connais parce que j'ai déjà joué hein, à ce genre de jeu, et je ne me suis pas tellement intéressé à cet univers de jeu de combat. Voilà, allez on va lui démonter sa race, et on va s'arrêter je pense sur ce dernier combat, on n'ira pas plus loin. Voilà, la pauvre. Oh, elle a crié, elle est morte. Donc voilà, c'était donc Capcom vs SNK Pro Fight truc de fou 2000. super nom, super nom de fou. Donc j'ai gagné, je suis un winner. Je pourrais continuer en mode arcade, mais je vais pas continuer. De toute façon, ça va être de plus en plus dur et c'est à peu près la même chose. Donc on va s'arrêter là. Voilà, mon prochain adversaire. Voilà.
Et donc ce sera tout donc pour Capcom vs SNK Pro Fight 2000 et des brouettes, c'est trop long. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.